Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'interview, interview exclusive puisque je reçois aujourd'hui le président de la commission de la CEDEAO, M. Jean-Claude Cassis-Brou. Bienvenue, M. le Président. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, M. le Président, comment se porte la CEDEAO aujourd'hui? Bien, merci encore pour cette invitation. Je dirais que la CEDEAO se porte bien. La CEDEAO se porte bien. Bien sûr, comme toute institution, il y a des moments où il y a des défis spécifiques qui se posent. Mais sur la base de ses valeurs, sur la base de ses principes, sur la base de sa gouvernance, l'institution, comme dans le passé, elle a surmonté ses défis et cette fois-ci encore, l'institution va surmonter ses défis. Donc, dans l'ensemble, il y a beaucoup de choses très positives qui ont été faites et qui continuent à être faites au niveau de la CEDEAO. Et c'est incontournable. Vous savez, l'intégration régionale est essentielle, c'est fondamental pour assurer la paix, la stabilité d'abord, et également pour assurer un développement économique et un développement social, parce que c'est ça qui peut amener, bien entendu, le progrès pour toute la région, pour tous les pays, surtout pour tous les citoyens. Donc la CEDEAO se porte très très bien. Quelles ont été les réalisations qui ont été faites justement sur le plan économique au sein de la CEDEAO? Oui, c'est vrai que l'actualité, bien entendu, a fait que le volet politique, le volet sécuritaire également, donc ces volets-là ont été pratiquement mis en avant avec les situations que la communauté a connues. Mais je crois qu'il est important de rappeler que la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a été créée en 1975, c'était Lagos, en mai 1975, et sa vocation première au début, à l'origine, c'était de créer une zone de libre-échange, c'est-à-dire une zone où les biens et les personnes circulent librement, sans entrave barrière, sans barrière tarifaire ou non tarifaire. Et de ce point de vue, je crois que la CEDEAO a fait beaucoup de progrès. Aujourd'hui, parmi les différentes communautés économiques qui existent, je crois que nous avons un bilan extrêmement positif. D'abord, si vous prenez la libre circulation des personnes, c'est une réalité. Un citoyen d'un pays, de la CEDEAO, peut se déplacer et aller dans un autre pays sans visa. Et nous étions même arrivés avec la circulation seulement avec les pièces d'identité nationale. Donc ça veut dire qu'on était vraiment déjà très avancés. Les évolutions sécuritaires ont fait que la circulation avec la pièce d'identité n'est plus possible, mais nous sommes en train d'introduire la pièce d'identité biométrique, donc qui va permettre progressivement donc, de pouvoir avoir cette situation où les citoyens pourront circuler avec la pièce d'identité biométrique. Mais la circulation sans les visas, c'est une réalité. Et au niveau des biens également, c'est une réalité. Nous avons de nombreuses entreprises qui sont agréées à notre système de libre-échange et de nombreuses marchandises circulent entre les différents pays de la communauté sans droit de douane. Donc ça, c'est un élément important. Nous avons une union douanière, c'est-à-dire que nous avons un tarif extérieur commun pour tous les pays de la communauté, pratiquement, à part le Cap-Vert, qui a un délai pour mettre en œuvre le tarif extérieur commun. Nous avons au niveau de l'agriculture un grand programme, plusieurs programmes régionaux, où nous essayons de soutenir et d'accompagner les pays membres. Nous avons deux grands défis dans l'agriculture. Aujourd'hui, avec la crise alimentaire, avec la sécheresse, avec les conséquences du changement climatique, avec bien sûr l'impact et les conséquences de la guerre en Ukraine, on assiste à une hausse des prix des produits alimentaires. Donc nous avons une stratégie d'intervention à très court terme, puisque nous avons près de 25 millions de personnes qui sont en situation alimentaire difficile dans notre région. Donc nous intervenons à travers nos réserves, puisque nous avons des stocks de sécurité que nous avons positionnés dans différents pays. Et ces stocks de sécurité ont déjà été utilisés dans le passé,
à 10 reprises pour soutenir des pays qui ont des difficultés avec ces situations alimentaires. Soit nous faisons des distributions gratuites de ces produits aux populations, ou soit nous les vendons mais à des prix modérés, 40 fois en dessous, 40% moins cher que les prix du marché. Donc actuellement, nous sommes en train de déployer encore nos stocks de sécurité pour aider les pays membres qui ont des difficultés particulières à faire face à la situation. Donc ça, c'est pour intervenir dans le très court terme, pour aider ces pays à faire face à la situation que l'on connaît actuellement. Et puis, nous avons une stratégie parce qu'il faut prévenir les crises. En d'autres termes, il faut accroître la production agricole pour que nous ayons suffisamment pour toute la population. Je rappelle que nous avons une population dans la CEDEAO de près de 400 millions d'habitants. Donc il faut pouvoir nourrir toute cette population. Donc c'est pour ça qu'au niveau de la CEDEAO, nous accompagnons, nous soutenons les pays membres. Chaque pays a ses programmes agricoles qu'il développe et met en œuvre. Mais nous apportons un appui à travers nos partenaires. Nous sommes agence d'exécution de plusieurs projets de développement agricole qui visent essentiellement l'amélioration de la productivité, donc produire plus, produire mieux, à moindre coût, et également qui vise à faire face aux impacts des changements climatiques. Donc une agriculture qui soit adaptée à la situation que nous connaissons, pour être justement en possibilité d'avoir de la productivité agricole, une productivité beaucoup plus forte. Donc nous intervenons à ces deux volets, donc à très court terme et à moyen terme. Ça, c'est dans le domaine agricole. Je prends le domaine de l'énergie. Là également, nous avons plusieurs programmes que nous mettons en œuvre. Parce que quand vous regardez la situation de l'énergie dans notre région, en fait, il y a pratiquement, on peut tirer trois caractéristiques. Premièrement, l'accès. L'accès reste encore insuffisant. 50% seulement d'accès. Ça veut dire que nous avons près de 200 millions de personnes qui n'ont pas accès encore à l'électricité. Donc il faut accroître les capacités de production, il faut accroître la possibilité pour les pays d'avoir de l'énergie à distribuer. Deuxième caractéristique, c'est que le coût reste encore élevé, malgré les efforts qui ont été faits. L'électricité dans notre région coûte en moyenne 24 cents des États-Unis le kilowattheure. Ça reste encore très élevé. C'est deux fois le prix de l'électricité en Europe. C'est six fois le coût de le prix de l'électricité au Japon. À ce coût-là, le développement économique, tout le développement industriel est difficile. Parce qu'avec un coût d'électricité élevé, il est difficile d'être compétitif. Donc il faut que nous arrivions à faire baisser progressivement le prix de l'électricité. Si vous regardez également une troisième caractéristique, c'est que trois quarts de notre production d'électricité est essentiellement d'origine fossile, c'est-à-dire à partir du gaz ou du pétrole. Là, ça reste encore une situation qu'il faut inverser, mais progressivement. Les énergies renouvelables, solaires, éoliennes, c'est moins de 1%. Donc, il faut une stratégie. Bien sûr, au niveau national, chaque pays a sa stratégie, donc pour inverser progressivement cette tendance, mais elle doit être coordonnée et harmonisée au niveau régional. Nous avons une agence des énergies renouvelables basée au Cap-Vert, donc qui joue un rôle important. Donc c'est soutenir à travers des définitions de politique, des stratégies et des politiques, harmoniser ces politiques pour que effectivement on augmente la production, qu'on aille plus vers le renouvelable, de manière à faire baisser les prix. Et la stratégie qui est mise en place, c'est d'essayer d'avoir un marché régional de l'électricité. C'est-à-dire un marché où les pays qui produisent peuvent vendre et ceux qui produisent moins peuvent acheter. Ça va permettre d'accroître les investissements. Parce que si les opérateurs privés savent qu'en produisant, cette production peut être achetée, pas seulement dans le produit où c'est fait, mais un peu partout, ça donne une incitation à augmenter la production. Et donc nous avons notre système de
régionale donc, des champs d'énergie qui est en cours de mise en place et qui va permettre donc, d'avoir ce marché. Et pour pouvoir le faire, il y a trois choses. Premièrement, il faut, comme j'ai dit, augmenter les capacités. Donc ça, nous accompagnons donc, plusieurs pays. Il y a plusieurs projets, donc, que ce soit dans l'hydroélectricité en particulier ou que ce soit dans le renouvelable, donc pour augmenter la production. Il faut interconnecter les pays. Parce que pour avoir un marché d'échange, il faut que tous les pays puissent acheter et vendre. Donc il faut qu'ils soient interconnectés. Il faut des lignes. Et donc là, aujourd'hui, nous avons 9 pays qui ont été interconnectés à travers les différents programmes. D'ici la fin de l'année 2022, nous pensons qu'on devrait avoir les 14 pays de la région CEDEAO totalement interconnectés. Le Cap-Vert, donc... qui a évidemment une situation spécifique bien particulière, puisque c'est un archipel. Donc nous allons le faire à travers un câble sous-marin, donc à haute tension, donc qui va permettre de relier le Cap-Vert au continent, donc aux autres pays de la CEDEAO. Et donc nous pouvons avoir ce marché donc, de l'énergie, et qui pourra être vraiment un élément clé et essentiel, parce que ça va permettre d'accroître la production, la disponibilité et de faire baisser les prix. Et ça, c'est un élément important. Alors, Monsieur le Président, nous allons marquer une toute petite pause et nous revenons juste après. Trois coups d'État en l'espace de 3 ans au Mali, en Guinée et tout dernièrement au Burkina Faso. Alors, comment avez-vous vécu cette période de crise régionale et comment en assurez-vous la gestion? Merci beaucoup. D'abord, je dois indiquer que c'est vrai que nous avons eu ces coups d'État militaires, d'abord en août 2020 au Mali, ensuite en septembre en Guinée, et puis en janvier 2022 au Burkina Faso. Mais il faut aussi quand même rappeler que nous avons 15 pays membres dans la CEDEAO. Et il y a 12 pays qui ont des élections démocratiques, des élections présidentielles, des élections législatives, qui se font de manière démocratique. Tout récemment, nous avons eu des élections en Gambie, présidentielles et législatives. Nous avons eu des élections au Cap-Vert, démocratiques, présidentielles et législatives. Et en 2020, nous avons eu plusieurs élections, pratiquement 6 élections. Donc, sur le plan démocratique, sur le plan de la convergence démocratique, sur le plan politique, il faut donc rappeler qu'il y a quand même cette situation, 12 pays où la situation est tout à fait est normale. Maintenant, pour revenir à ces trois cas, il faut aussi mettre ça dans le contexte. Parce que notre région a connu et continue de subir une crise sécuritaire importante. Depuis les années, depuis 2010-2011, depuis la déstabilisation en Libye, notre région subit des attaques terroristes de manière continue et qui sont des attaques qui augmentent avec le temps. Alors donc cette situation d'insécurité crée évidemment à la longue, sur une période, une instabilité sociale, des tensions sociales qui évidemment se transforme malheureusement parfois en tension politique. Donc je crois qu'il faut aussi mettre tout ça dans ce contexte. Si vous avez suivi ce qui s'est passé au Burkina, vous avez vu qu'il y avait une situation sécuritaire extrêmement difficile. Ça ne justifie pas le coup d'État. Et ça, nous avons insisté, nous l'avons dit et nous le répétons, ces situations ne justifient pas un coup d'État. Parce que les coups d'État militaires, on l'a connu dans le passé. Ce n'est pas une nouvelle expérience. Ça a existé dans les années 60, dans les années 70. Et les résultats... Si je peux ajouter quelque chose, c'est que ces trois pays, justement, bien avant la crise libyenne, ont eu des coups d'État et ils continuent d'en avoir. C'est ça. Comment expliquer que ça continue, justement? Oui, parce que ces crises sécuritaires, elles continuent. Elles n'ont pas disparu. La Guinée est un cas peut-être un peu à part, mais le Mali, le Burkina, il y a une crise sécuritaire. Donc la situation sécuritaire ne justifie pas les coups d'État.
parce que les coups d'État ne sont pas la solution. Et on le voit bien, les pays où il y a eu le coup d'État, la question sécuritaire n'est pas réglée. D'ailleurs, elle continue à s'empirer. La situation sociale n'est pas réglée. Et la crise humanitaire est toujours là. Donc ce n'est pas la solution. Je crois qu'il faut vraiment clarifier ça. Au contraire, nous pensons que ça complique même davantage. Et l'expérience est là, nous le voyons. Ça complique davantage la résolution de ces problèmes. Et c'est pour ça qu'au niveau de la CEDEAO, nous avons d'abord, en ligne avec l'Union africaine, nous avons beaucoup insisté pour que, au niveau des Nations unies, il y ait vraiment des efforts pour régler la crise libyenne, parce que c'est tant qu'il y a de l'instabilité en Libye, c'est un facteur. Donc, ce n'est pas la seule raison, mais c'est un facteur donc, de déstabilisation en matière sécuritaire. Il faut aussi renforcer le dialogue dans les différents pays, parce que tous les pays vivent des situations difficiles à un moment donné. Mais c'est à travers un dialogue, un processus participatif, un processus inclusif, qu'on arrive à régler ces questions. Ce n'est pas à travers des coups de force militaire, comme je l'ai dit, qui ne règlent pratiquement rien du tout. Et donc, oui, il y a eu des crises. D'ailleurs, il y a d'autres pays dans le passé qui ont connu des crises. Mais c'est à travers des processus donc, inclusifs, de dialogue, qu'on a réussi à régler ces solutions. Donc, il faut donc, recentrer les choses. Il faut revenir donc à une norme démocratique avec des pouvoirs qui soient légitimes, donc qui soient issus du peuple, mais pas des armes, et que le dialogue interne dans ces différents pays soit une réalité pour faire face aux problèmes qui sont posés et apporter des solutions à ces problèmes-là. Alors justement, parlons de dialogue, les autorités de transition malienne ont eu un contact avec la présidence togolaise pour leur demander une mission de médiation. Comment avez-vous accueilli cette démarche? Depuis que la crise malienne a commencé, c'était même avant le coup d'État, je crois qu'il faut rappeler ça, puisqu'il y a eu une crise sociale, sociopolitique, qui a démarré en mars-avril 2020. Et suite à des élections législatives qui avaient été très très mal gérées. La CEDEAO a fait plusieurs missions ministérielles pour essayer d'apporter donc son soutien pour une solution apaisée. La CEDEAO a nommé un médiateur, le président Goodluck Jonathan, qui a fait plusieurs missions. Et malgré tout ça, cela n'a pas abouti. Il y a eu un coup d'État militaire en août 2020. La CEDEAO a poursuivi sa médiation à travers donc, le président Goodluck et donc qui a abouti, il faut le rappeler, à un accord le 15 septembre 2020 à Accra. Et donc ça a permis donc, d'avoir une transition qui soit mise en place avec un processus dans un délai et un calendrier donc, d'accord parti. Ça a bien marché, il faut le dire. Ça a bien marché jusqu'en mai 2021. On avait un calendrier qui était mis en place et qui, avec des actions qui étaient mises en œuvre, et le processus évoluait normalement. C'est lors après le deuxième coup d'État de mai 2021 que les difficultés ont commencé, où le calendrier n'était plus respecté. On a dit clairement qu'on ne pouvait pas le respecter. On a noté un ralentissement notoire dans la mise en œuvre donc des réformes, et donc qui a abouti à la situation qu'on a connue. Et malgré les nombreux appels, le nouveau calendrier proposé n'était pas en ligne, puisqu'on a proposé 5 ans, après 4 ans. Et donc des sanctions ont été imposées depuis le 9 janvier 2022, essentiellement pour non-respect des engagements qui avaient été pris. Il faut dire que ces sanctions, il y a eu plus de sanctions au Mali que dans les autres pays qui ont connu également des coups d'État. Les sanctions, il faut le rappeler, font partie du dispositif. Ça reste des éléments qui sont dans nos différents protocoles. Elles ont été appliquées dans le passé, dans plusieurs pays. En Côte d'Ivoire, pendant la crise, des sanctions ont été appliquées. La crise gambienne, en 2016-2017, il y a eu des sanctions qui ont été appliquées. Et en Gambie, on a même
mis en action la force en attente. Donc vraiment, on est allé vraiment très très loin. Donc il y a eu plusieurs pays où il y a eu des sanctions qui ont été appliquées. Dans le cas du Mali, comme je vous l'ai dit, c'est parce qu'on avait eu un accord, et l'accord n'a pas été respecté. Et malgré plusieurs appels à respecter ces accords, cela n'a pas été le cas. Donc le contexte est différent. Si vous prenez les deux autres pays, dans le cas du Burkina, il y a eu immédiatement des sanctions administratives qui ont été émises, notamment la suspension du pays. On a demandé au niveau donc, de la CEDEAO qu'il y ait un calendrier plus raisonnable que les 36 mois qui ont été annoncés. Et donc nous sommes en discussion actuellement avec les autorités burkinabées pour justement essayer donc de trouver une solution. Et dans le cas de la Guinée, c'est la même chose. Dès le coup d'État, il y a eu des sanctions, la suspension du pays des instances de la CEDEAO. Il y a eu des sanctions individuelles qui ont été prises contre les membres du CNRD, le comité national, et donc qui est un peu à la base du coup d'État. Et gel des avoirs, interdiction de voyager, ainsi de suite. Et nous sommes en discussion sur la question donc, de la durée de la transition qui a été, évidemment, qui vient d'être annoncée. Donc, les sanctions sont progressives. Elles viennent toujours à la fin d'un processus de dialogue. On épuise d'abord toutes les possibilités à travers des missions, d'un dialogue continu et permanent avec les autorités. Et vraiment, c'est vraiment une action de dernier recours. On n'aime pas toujours mettre les sanctions. On essaie d'abord de trouver une solution. Mais c'est lorsque vraiment, de l'autre côté, on ne voit pas un engagement politique fort à aller dans le sens des règles. Parce que notre protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance, il est très clair. Les changements non constitutionnels ne sont pas acceptés. Il est dit clairement. Et deuxièmement, il dit également que l'armée est républicaine. Donc elle ne peut pas faire irruption sur le champ politique avec des armes. Le protocole est très clair là-dessus. Et chaque fois que c'est le cas, nous devons appliquer les dispositions du protocole. Donc sur le Mali, pour revenir à cette situation, puisque vous avez parlé de ça, nous n'avons jamais rompu le dialogue. Nous avons, même pendant les sanctions, nous avons continué à dialoguer, nous avons eu des échanges, le médiateur a effectué des missions, et c'est ça qui a permis de rapprocher les positions. Puisqu'aujourd'hui, les autorités de la transition parlent de 24 mois, la CEDEAO dit qu'il faut que ça se situe dans un délai de 12 à 16 mois. Donc on a quand même rapproché, on n'est pas encore tout à fait là, et les discussions se poursuivent, et je crois que c'est ce qui est important. Donc tout ce qui peut être fait pour aider à trouver une solution, je pense qu'il faut absolument le faire, et soutenir, l'encourager, pour qu'on arrive à trouver une solution. Parce que c'est dans l'intérêt de personne, ni du pays, dans ce cas le Mali, ni de la communauté. Et comme dans le passé, quand on met des sanctions, on essaie de trouver une solution. Quand les solutions ont eu lieu, on enlève les sanctions et la situation se normalise. Donc c'est un peu dans le processus que nous sommes. Les délais de transition en Guinée, tout dernièrement, ils ont fixé ce délai à 3 ans. 3 mois. Alors, déjà, comment accueillez-vous ce délai qui a été fixé? Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Les meilleures transitions, c'est les transitions les plus courtes possibles. Une transition qui est issue d'un coup d'État militaire, ce n'est pas un mandat électif. Dans notre région, vous avez des chefs d'État qui sont élus pour 5 ans, il y en a qui sont élus pour 4 ans. 4 ans. Un coup d'État militaire où on a une transition qui s'apparente à un mandat électif, ça pose un problème. Une transition, ce n'est pas pour faire toutes les réformes. Il s'agit pour une transition de préparer et de faire en sorte qu'on ait des élections qui soient crédibles, qui soient des élections qui soient acceptées par toutes les parties, pour qu'il y ait consensus et la paix. C'est ça l'objectif principal d'une transition. Mais une transition n'a pas de légitimité
pour faire des réformes qui doivent être faites par un gouvernement issu du peuple. Une transition militaire, c'est la volonté de certains militaires de prendre les armes et de venir s'imposer. Donc, elle n'a pas la légitimité pour faire des réformes. Donc, elle, une transition doit se focaliser sur créer les conditions pour assurer des élections qui soient acceptées par toutes les parties, qui soient crédibles, transparentes. Donc, les réformes minimales pour donc, cet objectif. Et c'est pour ça qu'on a vu des pays où il y a eu des transitions qui ont duré un an, 12 mois, 14 mois, et qui ont mis le pays sur une trajectoire de stabilité démocratique qui continue jusqu'à aujourd'hui. Ça dure depuis des décennies. Mais une transition qui vient et qui veut faire un mandat comme un gouvernement élu, ça pose un problème. À l'Union africaine, aux Nations unies, je crois que tous les appels, c'est vraiment, écoutez, il faut faire les élections le plus rapidement possible. Et ensuite, quand aujourd'hui, dans le contexte où nous sommes, une transition militaire, vous savez, c'est difficile même de faire des progrès sur le plan économique et social, parce que dès qu'il y a un coup d'État militaire, dans une transition qui n'est pas légitime, beaucoup de soutien, notamment des partenaires, que ce soit des partenaires régionaux, des partenaires internationaux, se réduisent, sont suspendus. Or, nous sommes tous des pays en processus de développement. Et absolument. Donc, il faut pouvoir bénéficier de l'appui des uns et des autres pour pouvoir atteindre les objectifs. Et n'oublions pas, l'objectif primordial, c'est vraiment les conditions du peuple, les conditions de la population. Améliorer ces conditions en matière économique, en matière d'emploi, en matière de revenus, c'est ça l'objectif. Et une transition militaire qui reste comme un gouvernement élu ne peut pas atteindre ces objectifs. Nous allons faire une petite pause et nous revenons juste après. Monsieur Jean-Claude Cassis-Brou. Un des piliers du programme de la CEDEAO était la mise en place d'une monnaie commune et unique qui est l'écho. Concrètement, où en est ce projet de la communauté? Le programme de la monnaie unique, ce qu'on appelle le programme monétaire régional, donc qui vise à créer une monnaie unique, bon, vous savez, c'est un projet qui a duré, qui a demandé depuis, l'idée avait été lancée déjà en 1983, la CEDEAO a été créée en 1975, mais déjà en 1983, on parlait donc d'une convergence monétaire. C'est pour ça qu'on a créé la MAO, qui est basée à Freetown, et donc dont le rôle était justement d'arriver à avoir une chambre de compensation pour que les différentes monnaies nationales puissent s'échanger progressivement. Et donc on aurait après une convertibilité limitée et puis progressivement une monnaie unique. Et puis ça a été accéléré où on a décidé plus tard donc il fallait aller à la création de la monnaie unique. Et en 2018, le processus a été encore accéléré à Accra. Il y a eu beaucoup de progrès. La création de monnaie unique est un processus qui est un processus long par définition. Ça prend du temps, mais on a eu beaucoup de progrès. Je crois qu'il faut noter les avancées. Il y a des avancées importantes qui ont été faites. Premièrement, d'abord, nous nous sommes mis d'accord pour le système de change. Ça, c'est très important. Nous avons dans la zone CEDEAO deux types. Nous avons des pays qui ont des régimes fixes de change, les pays de l'UMOA, et puis les autres qui ont des régimes plus ou moins flexibles. Et pendant longtemps, il y a eu beaucoup de discussions sur vraiment lequel de ces systèmes vraiment devait être le choix de la monnaie unique. Ce n'était pas facile. C'était vraiment... Il y a eu beaucoup de champs, des discussions techniques et ainsi de suite. Et finalement, il y a eu un accord donc, sur ce point. Et ça, c'est une avancée majeure. C'était vraiment un des points clés. Et donc, on s'est mis d'accord sur le mécanisme de change qui devrait régir la monnaie unique de la CEDEAO. Et ça, c'est un point important. Ensuite, nous nous sommes mis d'accord sur quel type de système de banque centrale nous allons avoir. Encore, nous avons deux grands systèmes. Nous avons un système de banque centrale qu'on appelle centralisé, unique,
et puis d'autres qui sont plus des systèmes, bon, sont des banques nationales. Quel va être le modèle de banque centrale pour la monnaie unique de la CEDEAO? Et donc ça, ça a été adopté, donc c'est un peu le modèle du système de banque centrale, un peu donc, qui a été décidé. Et donc ça, ce sont des avancées majeures. Bon, bien sûr, nous avons également fait le choix du nom de la monnaie, c'est l'écho, le signe de la monnaie. Nous avons également, nous sommes mis d'accord sur le nom de la banque centrale, la future banque centrale, donc la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest. Donc il y a vraiment eu des avancées majeures. Ensuite, on a mis en place un programme de coopération monétaire en matière donc, de convergence, parce que c'est la base. Il faut qu'on arrive à mettre en place un mécanisme de convergence, c'est-à-dire que les différents critères de convergence, il y en a pratiquement quatre, il y a quatre grands critères de convergence, que tous les pays convergent pour qu'à la fin on puisse avoir la monnaie unique. Et on avait fait beaucoup de progrès jusqu'à la crise de la Covid. En 2020, lorsque la Covid a fait irruption en février 2020, comme dans pratiquement tous les pays dans le monde, les agrégats macroéconomiques ont été déstabilisés. Les finances publiques de tous les pays, pas seulement dans la CEDEAO, mais que ce soit en Afrique, donc les finances publiques ont été déstabilisées. Hausse des dépenses, baisse des recettes à cause de la baisse de l'activité économique. Donc nous avons, les États membres ont décidé de suspendre le pacte de convergence parce qu'il n'était pas possible. C'était un choc extérieur trop fort. Et comme c'est prévu dans les textes, dans ces situations, les États membres donc suspendent. Donc en 2020 et en 2021, ils ont dit pour ces deux années, à cause de l'impact économique de la Covid, nous allons suspendre le pacte de convergence. Donc ça fait que les critères de convergence ont été, le respect a été suspendu. Et donc un nouveau pacte a été mis en place en 2022, donc qui prévoit donc en 2022-2026 pour le cadre de convergence, donc la période de convergence. Et puis en 2027, on passerait en période de stabilité pour la création de la monnaie. Donc beaucoup de progrès. Malheureusement, l'impact de la Covid a freiné le processus, mais nous sommes en train de reprendre un peu donc, cette dynamique donc avec le nouveau pacte de convergence qui est en place. Alors, Monsieur le Président, la toute dernière question. Vous êtes en fin de mandat. Quel message vous pouvez donner à nos chers téléspectateurs sur votre mandat, quel est le bilan que vous avez eu à réaliser tout au long de votre mandat? C'est vrai que, comme je l'ai indiqué un peu au départ, au cours de ces quatre années, la région vraiment a eu nous avons eu deux chocs. Le choc, comme je l'ai dit, de la sécurité, qui a vraiment créé beaucoup de difficultés. Si vous prenez les attaques terroristes, en 2018, on était autour de 260 attaques terroristes, mais aujourd'hui, on a près de 1700 attaques. Vous voyez que vraiment, il y a une augmentation, ça a été multiplié pratiquement, hein, par plus de 6. Le nombre de décès, malheureusement, a augmenté. On a près de, en 2021, on était à près de 4700 décès de ces attaques terroristes. Donc, et ces attaques terroristes ont un impact très fort sur les dépenses des États. Certains pays consacrent beaucoup de ressources pour faire face à cette situation sécuritaire. Et puis il y a eu la crise Covid qui est intervenue et qui a donc également affecté nos économies. Et j'ajouterais même aussi une situation qui perdure, c'est l'impact du changement climatique, donc la désertification. Et donc tout ça, évidemment, a fait que notre région a été affectée pendant cette période. Mais sur le plan économique, il y a de la résilience. Vous savez, avant la Covid, la région avait une croissance qui tournait autour de 3,5% en moyenne. C'était pratiquement au-dessus de la moyenne du continent. En 2020, avec la Covid, comme la plupart des pays du continent, nous avons connu au niveau de la région une récession, mais elle était très faible, à peine 1%, une baisse de 1%. Donc encore une meilleure performance que le continent d'une manière générale.
Et puis, après la Covid, c'est-à-dire 2021, déjà, on s'attend à une reprise plus de 4%, donc au-dessus encore de la moyenne. Donc, il y a une résilience très forte. Et ça, c'est un aspect positif. Nos programmes continuent. Et ce sont et souvent, comme je l'ai dit, et je crois que vous l'avez aussi rappelé, on met beaucoup l'accent sur les questions politiques, mais on a beaucoup de programmes économiques. La sécurité, évidemment, est une préoccupation majeure. Nous avons un grand programme au niveau de la CEDEAO de lutte contre le terrorisme, notre programme régional de lutte contre le terrorisme, où nous travaillons avec tous les pays. C'est un programme, bien sûr, qui accompagne les programmes nationaux que chaque pays, bien sûr, met en place et a mis en place pour faire face à la lutte contre les terroristes. Mais pour lutter efficacement contre le terrorisme, il faut une approche globale, pas nationale. Vous savez, le terrorisme passe d'une frontière à l'autre. Il ne connaît pas la frontière, le terroriste. Donc, si vous n'avez pas, à côté des programmes nationaux, une stratégie régionale, ça ne peut pas marcher. Vous voyez les attaques dans la zone des trois frontières. Donc, notre stratégie régionale donc, qui a été mise en place et qui est en train d'être déployée, met l'accent sur la formation, sur le partage des informations, parce que la lutte contre le terrorisme, elle impose une stratégie de partage des renseignements. C'est une guerre asymétrique. Donc ça, c'est extrêmement important. Et aussi, le déploiement de matériel adapté, d'équipements qui puissent permettre effectivement de lutter contre le terrorisme. Donc, c'est un volet important de notre stratégie que nous mettons en œuvre donc au niveau de la CEDEAO pour accompagner les différents pays. Au-delà de l'énergie ou de l'agriculture, je mentionne le secteur de l'industrie, on fait beaucoup au niveau régional l'harmonisation des normes pour justement faciliter les investissements industriels. Nous devons accroître notre part du secteur industriel dans notre production intérieure brute, parce que nous devons valoriser nos produits. Et donc ça, une des conditions, c'est la normalisation. C'est donc l'harmonisation des règles. Donc nous avons adopté un code d'investissement régional, code minier régional, code pétrolier régional. Et ça, c'est essentiel dans les infrastructures. Bien sûr, on a parlé de l'énergie, mais les infrastructures de transport. Nous avons notre projet majeur actuellement de développer une autoroute donc entre Lagos jusqu'à Dakar. La première phase de cette autoroute, c'est le tronçon Lagos-Abidjan. À peu près 1000 km, un corridor extrêmement important, parce que sur ce corridor Abidjan-Lagos, vous avez près de 65% du commerce de la CEDEAO. C'est important. Et donc, c'est un projet qui est très avancé. Les études sont quasiment terminées avec la Banque africaine de développement qui a soutenu vraiment ce projet, qui l'a financé également avec l'Union européenne, que je tiens au passage, donc Elabad et l'Union européenne à remercier pour leur soutien au financement des études. Nous avons donc présenté ça au programme d'investissement de la Banque africaine de développement. Nous avons parlé avec tous les investisseurs, les financiers. Donc c'est un projet qui va vraiment apporter beaucoup. Ça va être un corridor de développement. Ce n'est pas seulement une route. Il va y avoir beaucoup de... Ce n'est pas seulement une autoroute. Il va y avoir beaucoup de commerces qui vont s'installer autour donc, de cette grande voie, qui sera géré de manière extranationale, puisque les pays ont signé un traité, les 5 pays du corridor, pour déléguer la gestion à une autorité, donc pas nationale, mais un peu supranationale. Ouais. Donc ça, c'est un élément important. Et un investissement, on parle de 15 milliards. Et donc ça va créer vraiment une dynamique complètement nouvelle. Nous avons démarré les études pour la deuxième tranche, c'est-à-dire Abidjan jusqu'à Dakar. Donc ça a démarré au niveau des études. Et pour la liaison Dakar-Praia, c'est une liaison maritime qui va justement permettre de faire la connexion et le lien entre le Cap-Vert,
et le continent et Dakar. Donc ça, c'est un programme important. Nous avons aussi beaucoup d'activités menées au niveau santé. Nous avons un grand programme de santé qui a été vraiment développé au niveau de la COVID. Vous savez qu'au niveau avec la crise, nous avons harmonisé notre stratégie d'approche. Tout a été fait en coordination avec tous les pays, les 15 pays. Les réunions régulières des ministres de la Santé, des ministres du Commerce, puisqu'il y avait les corridors, les frontières qui étaient fermées, et les ministres des Transports également. Et donc, nous avons soutenu également les pays membres avec la distribution de tests, des kits de tests, les produits donc, de protection. Et nous sommes en train de mettre en place, nous avons soutenu avec la création des laboratoires, développement des laboratoires. Avant la COVID, on n'avait que 2 laboratoires qui pouvaient faire ces tests dans la région. Aujourd'hui, on a atteint près de 200. Donc on a pu vraiment soutenir et au niveau de la région. Et aujourd'hui, nous travaillons avec les pays pour faire en sorte que dans notre région, nous ayons une capacité de production de vaccins. Ouais, ça, c'est extrêmement important. Et c'est une des leçons qu'on a tirées de la crise de la COVID. Nous sommes une zone de libre-échange, c'est-à-dire un marché unique. Nous avons la libre circulation des biens, la libre circulation des personnes. Mais pour que ce soit effectivement une réalité concrète, il faut qu'on puisse harmoniser les diplômes. Si je suis formé comme médecin, je prends un exemple au Sénégal, dans ce grand marché, je dois pouvoir effectivement, si j'arrive au Nigeria ou j'arrive au Bénin, mon diplôme de docteur en médecine, on doit pouvoir avoir des équivalences pour que je puisse effectivement, si je le souhaite, me retrouver là-bas. Puisque nous avons un marché unique, c'est bien ça. Les facteurs de production circulent librement. Et donc, notre programme d'harmonisation qui a démarré, où nous travaillons avec les centres universitaires pour justement voir les curricula, harmoniser les curricula pour avoir et arriver à une harmonisation donc, des diplômes. Ça, c'est dans le domaine de l'éducation, mais au niveau social, nous avons également donc, des interventions que nous faisons pour soutenir, comme je l'ai dit, bon, j'ai parlé de la réserve alimentaire, mais pour soutenir les pays dans les domaines de l'inondation, dans le domaine des sécheresses, programme pour les femmes, soutenir les femmes à travers nos centres du genre qui est basé à Dakar, qui intervient dans beaucoup de domaines pour l'accompagner les femmes, soutien pour la lutte contre les violences qui sont faites aux femmes, aux jeunes filles, aux enfants en particulier. Et donc tout ça, évidemment, sont des aspects qui sont vraiment importants. Au niveau de la télécommunications, nous avons, venons de faire adopter une stratégie de lutte contre la cybercriminalité, la cybersécurité, pour la cybersécurité. Ce sont des éléments clés. On ne peut pas lutter seulement au niveau national. Il faut encore une stratégie globale. Ouais. Donc nous avons, je pense qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait dans ce domaine pour faire un peu avancer. Parlons de projets, il y a également le volet digital et entrepreneurial que vous avez déployé au sein de la sous-région. Pouvez-vous nous revenir sur ces projets-là? La digitalisation, c'est un secteur aujourd'hui qui est extrêmement en vogue. C'est un nouveau secteur, mais c'est incontournable. Rien ne se fait aujourd'hui sans digitalisation. Et donc, la région ne peut pas être évidemment en reste. Dans chaque pays, il y a des stratégies qui sont mises pour soutenir donc, la digitalisation. Et au niveau de la CEDEAO, nous, évidemment, nous travaillons avec les pays. Et nous essayons de mettre l'accent, et nous mettons l'accent sur un aspect qui est important. Puisque chaque pays travaille à mettre un cadre qui permette le développement de la digitalisation. Mais il faut que ce soit harmonisé. Si ces différents cadres mis en place par chaque pays, s'il n'y a pas d'harmonisation, alors que nous avons un marché commun, il va y avoir des difficultés. Donc nous travaillons donc sur l'harmonisation de ces différents cadres. Et comme je l'ai dit, donc, on a harmonisé donc, justement nos stratégies régionales avec tous les pays donc, de lutte contre la cybercriminalité, la cybersécurité. Parce que
la digitalisation est devenue aujourd'hui un facteur pour accroître de manière exponentielle l'emploi. Il y a de nouveaux métiers qui se développent, des métiers qui viennent renforcer les métiers traditionnels dans différents secteurs, que ce soit le secteur agricole, le secteur industriel, le secteur énergétique. Dans tous ces secteurs, au-delà des métiers classiques qu'on connaît, la législation permet d'accroître l'emploi de manière exponentielle. Et il faut absolument que nous arrivions aujourd'hui, donc c'est déjà en cours, mais il faut l'accélérer, ce processus et cette dynamique, et pour que vraiment l'emploi, parce que c'est un des objectifs majeurs, l'intégration économique vise justement à travers différentes conditions, l'accès à un marché beaucoup plus large, à accroître l'emploi. Comme je dis, nous avons une population jeune. Il faut créer des emplois. Il faut créer et donner de la perspective donc à tous ces jeunes à travers une formation adéquate, mais également avec des conditions de pouvoir trouver un emploi sur un marché qui évolue rapidement. Et la législation est un important élément. Nous soutenons aussi tous les jeunes à travers notre mécanisme de soutien aux start-up. Ouais, il y a beaucoup de jeunes dans notre région qui sont très brillants, qui ont des idées, qui créent des entreprises, ce qu'on appelle communément en anglais start-up. Et nous avons, au niveau de la CEDEAO, un programme pour soutenir ces start-up. On a fait une grande réunion il y a quelques mois à Niamey, où justement donc on a primé certains start-up et on essaie de les soutenir pour que vraiment ils puissent vraiment aller sur le marché et développer donc leur emploi. Et ça, en multipliant donc ça, c'est une forme d'auto-emploi. En soutenant les femmes dans le secteur agricole, ça également, ça leur permet, puisqu'elles créent beaucoup d'emplois dans le secteur agricole, évidemment, que ce soit dans le secteur industriel, tout ça est vraiment important pour pouvoir vraiment développer l'emploi. Parce que il est important qu'on donne de l'espoir à tous ces jeunes qui viennent sur le marché, tous ces jeunes qui souhaitent pouvoir contribuer, parce que c'est tout ce qu'ils demandent. Ils souhaitent avoir des perspectives de futur. Donc il faut qu'on leur donne la formation, une éducation adéquate pour leur permettre justement de jouer ce rôle important. Et puis également, nous venons d'adopter une nouvelle vision. La vision initiale qui a été prise en 2020. Donc en 2021, nous avons adopté une nouvelle vision qu'on appelle la vision 2050, qui projette notre région donc pour les 25-30 prochaines années. Et cette vision, on l'a préparée pendant plusieurs années avec une très large consultation. On a consulté les ONG, les chefs traditionnels, les chefs religieux, les organisations de jeunes, les organisations de femmes, les élus, pour vraiment récolter leur perception de la CEDEAO et ce qu'ils souhaitent pour la CEDEAO. Et c'est tout donc cette convergence qui provient donc de ces différentes parties qui se retrouvent dans la nouvelle vision 2050, donc qui vient d'être adoptée et donc qui va donc être progressivement déployée au cours donc des prochaines années. Donc dans l'ensemble, comme je l'ai dit au début, oui, il y a des défis, certes, mais ce n'est pas la première fois que nous avons des défis dans la CEDEAO. Je crois qu'on a connu aussi des défis différents, des défis divers. Et donc, je crois que ce qui est important, c'est de maintenir ce qui fait la CEDEAO, c'est-à-dire d'abord la solidarité. C'est d'abord une zone de solidarité. C'est une zone de convergence. Où les différents pays acceptent de travailler ensemble, de rechercher chaque fois un consensus pour faire face aux différents sujets qui se posent. Aujourd'hui, par exemple, c'est le sujet de la sécheresse, le sujet du climat. Donc il y a une convergence régionale, les pays adoptent une position commune. Donc, et c'est comme ça qu'à travers cette solidarité qui fonde donc la communauté, où tout est discuté, échangé pour trouver des consensus, c'est comme ça que la communauté avance.
Et c'est ça aussi qui permet aux citoyens de se retrouver, quand on est d'un pays, se considérer comme un citoyen de la CEDEAO. Je peux me lever, prendre l'avion, je passe sans visa, aller dans un autre pays, je passe le temps qu'il faut, je fais mes affaires et je rentre sans aller être obligé d'aller demander une autorisation. Vous savez, dans d'autres régions de notre continent, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, vous le savez. Donc il y a beaucoup de ça. Donc il faut vraiment, et c'était l'esprit des pères fondateurs quand ils ont créé la CEDEAO en 1975. Donc cet esprit de solidarité, de partage, de cohésion et de participation, je crois que c'est ça qu'il faut préserver et développer. Encore une fois, on a vu des crises dans tel ou tel pays. Aujourd'hui, c'est le Mali, c'est la Guinée, c'est le Burkina. Hier, c'était la Côte d'Ivoire, c'était le Nigeria, c'était le Niger. Il y a toujours eu des crises. D'ailleurs, dans notre région, en fait, il n'y a que deux pays qui n'ont jamais connu de coup d'État. Il y a deux pays qui n'ont jamais connu de coup d'État, c'est le Sénégal et c'est le Cap-Vert. Donc tous les autres pays, à un moment donné de leur histoire, ont connu des coups d'État. Mais ce qui est important, une fois que le coup d'État, évidemment, on l'évite, on fait tout pour ne pas que ça vienne, mais ce qui est important, une fois que le coup d'État intervient, c'est de voir comment, et on l'a vu, comment les autres pays aident, et s'organisent pour aider le pays à sortir de cette situation. Et vous voyez, tous les autres pays sont sortis de cette situation. Et aujourd'hui, ils ont retrouvé leur place dans la communauté pour justement également contribuer à aider les autres pays qui font face à cette situation. Donc on est vraiment, c'est une grande famille qui a une longue histoire, qui a une longue tradition. Et donc cette solidarité, moi je reste convaincu que ça va nous permettre de faire face aux crises les crises que nous connaissons. Je pense que ce sont des choses pour lesquelles des solutions vont être trouvées et que, bon, bientôt, tout ça va être derrière nous. Et puis, on va pouvoir poursuivre notre marche en avant parce que les autres aspects que nous avons évoqués sont encore plus importants parce qu'il s'agit du développement économique, du développement social, du développement humain. À la fin, ce sont les citoyennes et les citoyens de la CEDEAO qui doivent être l'objectif final, améliorer leur bien-être. Mais pour ce faire, on a besoin de paix, on a besoin de stabilité, on a besoin de conditions pour que les citoyens et les citoyens puissent se réaliser chacune et chacun en fonction évidemment de ses souhaits, de ses talents et de son potentiel. C'est ça qui est important. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Okay. D'avoir accepté de vous livrer à cette interview. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis.